Première prime. Ça commence. J'ai fait tup-tup, hein. Je t'ai pas entendu. Je fais. Ben ça sent ça, j'entends pas assez. S'il n'y a pas un bruit. Pif. C'est parti. Les voilà. François. François. Oui. Ils sont là. Ah, c'est vous. Nous vous attendions. Figurez-vous que nous vous proposons rien de moins que d'assister à la plus extraordinaire expérience de toute l'histoire de l'humanité. Figurez-vous que... Mais c'est pas vrai. C'est quand même pas compliqué comme texte. Peuple pipeuse, popital, pas tout à l'heure. Nous allons réaliser le plus vieux rêve d'Icare. Et j'ai conçu... Ah, c'est... Bah oui, je dis pas ce que c'est le vieux rêve d'Icare. Nous sommes censés le savoir. C'est ouvert, évidemment. Ça va ? Oui. Figurez-vous que nous vous proposons d'assister rien de moins qu'à cette... Pourquoi ? Tout génie qu'il était, Léonard de Vinci ne l'était pas moins, quelque peu moins intelligent que moi. Hein, donc j'ai repris. Ici, on reconnaît, voilà, le sopalin, c'est très joli, le sopalin qui se met devant la cruche, c'est magnifique. Bravo, Guillaume. Je pense que c'est même pas dans le champ, en fait. Ça volera jamais, son truc. Plus tard. Tout génie qu'il était, le grand Léonard de Vinci n'en était pas moins. C'est pas du tout mon texte, c'est parfait, on recommence. L'avantage, c'est qu'on aura 3 heures de bêtisier.